Ah tiens, il y a un nouveau champion du monde de roulé-boulé depuis hier soir, je crois. Bravo. Belle perf. Et encore, s'il n'y avait pas eu les panneaux publicitaires, il serait encore en train de rouler. Salut les sportifs, c'est Greg. Vous êtes dans la frappe et l'info sport du jour à retenir, c'est le suspense total en Ligue 1. 14e journée de Ligue 1 ce week-end et un nouveau leader au classement, Lille, qui s'est imposé 2-1 face à Bordeaux. Le LOSC qui est tout simplement imprenable cette saison à domicile. Depuis le début de la saison, Lille n'a jamais perdu dans son stade Pierre-Mauroy et n'a même jamais été mené au score. C'est la meilleure équipe du championnat à la maison et ça fait 13 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues pour les Lillois à domicile. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Deuxième au classement, l'Olympique Lyonnais. Les Lyonnais qui se sont imposés 1-0 hier soir face au PSG grâce à un but de Tino Kadewere. Pas grand chose à se mettre sous la dent pendant ce match à part ce magnifique roulé-boulé d'Anthony Lopez. À la télé anglaise, ils se sont quand même amusés à compter les roulades. Le record du monde ! Ah bah la Ligue 1, hein ? La Ligue des talents. Et puis à noter aussi la blessure en fin de match de Neymar, sorti en pleurs et sur civière en toute fin de rencontre. Tu es habitué, habitué. Habitué. Durée d'indisponibilité encore inconnue, mais c'est un coup dur évidemment pour le PSG qui n'y est pas du tout en Ligue 1. 4 défaites en 14 matchs, c'est le pire début de saison en championnat pour les Parisiens depuis 11 ans. Et puis il y a l'OM toujours dans le game aussi. Avec sa victoire ce week-end contre Monaco, l'OM est 4ème et enchaîne une 6ème victoire de suite en championnat. Des joueurs que tout le monde voulait enterrer la semaine dernière après la campagne désastreuse en Ligue des Champions et qu'on voit champion de France aujourd'hui. Marseille quoi. C'est pas la capitale, c'est Marseille bébé. Si tu ajoutes à ça que Montpellier et Monaco sont aussi plutôt chauds, bah ça fait bien longtemps que la Ligue 1 n'avait pas été aussi intéressante. Y'a du suspense, j'adore. On dirait un épisode de la Casa des Papel. Mais en mieux quand même. Allez, à demain. Move Radio, Hip Hop Nation.